Hello! Bonsoir les pinous, j'espère que vous allez bien. Alors, on a Séphie qui réclame. Évidemment. Ah, mon chat. J'espère que ça va pour vous. Hop, je nourris les pauvres. Allez, tiens, parce que c'est dimanche. Parce que cette semaine, maman, elle va pouvoir aller en chercher des friandises. Hop, va sur la fenêtre, toi. Bref, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est un peu dur aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai lancé un peu plus tard. Je m'en excuse. Je m'en excuse, je m'en excuse. Ça a été très dur. La nuit a été très compliquée. Hop, je vais juste... 2 petites secondes, chercher ma musique. On va mettre ça. Voilà. Alors, je suis à moitié malade en plus, je suis moitié pas bien. Donc du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un live créatif qui va peut-être pas durer des heures et des heures. Peut-être que je vais faire qu'un seul sachet, j'en sais rien, on verra. Je dis toujours ça hein, quand je vais pas bien, je dis oh bah ça va peut-être pas durer des heures. Et puis finalement, ça dure des heures. Mais là, vraiment, je suis pas hyper en forme. Je me suis pas fait de café parce que voilà, je suis pas. J'ai de quoi grignoter. J'ai mes petites barres protéinées. J'ai de l'eau. Je vais principalement boire de l'eau, je pense d'ailleurs. J'ai hésité entre du Diamond Painting et une petite maquette. J'ai acheté des petites maquettes assez sympathiques. J'en ai 3, mais là, j'en ai qu'une sous la main. Des petites maquettes de ce genre-là. Donc il y a un petit tiroir en dessous et ça fait une petite vitrine en fait. Donc c'est assez chouette. Donc j'en ai acheté 3, il y en avait 3 en magasin. Donc j'ai hésité à faire ça et puis en fait j'ai plus de colle. Je voulais faire donc mes diamond painting mais finalement j'ai pas tellement envie. Puis finalement j'ai regardé l'endroit où il y a la pièce qui manque, elle va être tout au fond de la construction. Donc au pire s'il y a un petit défaut. C'est pas grave, puisque ce sera le derrière en fait, que ça va être ce qui va être exposé à l'arrière, donc ça sera pas visible. Donc on va continuer fond comble. On va continuer fond comble. Je sais que c'est quelque chose qui me plaît, je sais que c'est du Lego, donc du coup ça me plaît forcément. Donc c'est pour ça que ça, voilà, je voulais pas me prendre la tête, je me suis dit, allez, c'est pas grave, tu continues fond comble. Il nous reste. Tous les sachets 30 et 49, donc il nous reste peut-être un peu moins d'une vingtaine de sachets. On a très bien avancé. Si j'arrive à faire 2 gros sachets, je pense qu'on en a encore pour peut-être 2 ou 3 lives. Voilà, je suis très contente du résultat, je suis très contente de l'avancée que ça a pris. Je suis fatiguée, donc on va pas tarder. On pourra continuer de papoter pendant le live. Je vais boire un coup. Je me suis pas fait de café, pas de thé, parce que voilà, je veux pas me. Je suis pas très bien là. On va pas se mentir, je suis pas hyper en forme. Donc du coup, c'est pour ça que le live, je sais pas combien de temps il durera, mais je suis pas en forme. Et demain, bah, je sais pas à quelle heure je commence. Donc je vais m'hydrater. Faudra qu'avant que la nuit tombe, je fasse une pause pour aller dehors, pour aller chercher quelque chose dans ma voiture. Et puis voilà, on va commencer. Je vais me moucher aussi. Parce que je vous dis, hein, je suis pas en forme. J'ai chaud, j'ai froid. J'ai très mal dormi. J'ai dormi toute la journée parce que ben, j'étais fatiguée. Et voilà, enfin, c'est chouette. Hop, je me mouche et je suis à vous. Salut Jeff, comment vas-tu? Merci pour ton réabonnement. C'est ton 18e mois d'abonnement. Merci beaucoup.
Déjà 18 mois, incroyable. Comment vas-tu? On va commencer. Je vais me mettre sur la page. Je vais juste peut-être vous montrer où on en est avant. On en est là. Donc on a fait des colonnes, on a fait des portes, on a fait plein de trucs. On a fait l'avant, donc ça sera à l'avant. Donc du coup, comme la pièce qui manque, elle est ici, ça se verra pas. On va pouvoir commencer avec du tri de sachet, puisqu'on avait fini notre gros sachet la dernière fois. Hop. Alors par contre, je ne sais pas, musique live créa. C'est un peu fort dans mes oreilles. Ça va et toi, soleil ou lumière chez toi qui brille jusqu'à ton menton? C'est parce que c'est les lumières du live créa. Les lumières, elles sont centrées sur le bas du corps, enfin sur le bureau, donc du coup. C'est les lumières en fait qui sont vers le bas. Mais ça va, je suis fatiguée, j'ai beaucoup dormi et je suis pas en forme. Je suis pas en ultra forme là. Donc c'est pour ça, je me mets au travail là et puis on verra combien de temps ça durera. Mais ça va. Ça va. Faut que je tienne le rythme là. Alors, je sais plus ce que je voulais faire d'autre. Je sais plus. J'ai mis la musique. Ah si, ça y est, je sais. Bon, pareil, hein, vous me dites si c'est trop fort, pas assez fort. Donc on en était là. J'ai l'impression que le prochain sachet, c'est directement via la construction, enfin sur la construction. Donc je vais la laisser là pour le moment. Je vais essayer tant bien que mal de vous montrer ce que je fais. Hein. Comme d'hab, c'est un peu compliqué. La structure est très très grande. La structure est très très grande. Ok. Il y a un petit moment de bug. Alors, là, on a 30, 31, 32, 33. Et des pièces qui ne rentrent pas dans le sachet. J'adore ces pièces qui sont pas dans des cafés. Alors, je fasse attention à ma tablette, moi. 31. 30. 30. 33. 32. Il y a des petites merdes. 33. 31. 33. Je me réinstalle bien. En plus, j'ai encore mal à mon pied. J'ai dormi, j'ai passé la journée sans bande. Donc du coup, je me suis fait un petit peu mal. Mais en même temps, j'avais besoin de laisser mon pied un petit peu à l'air parce que sinon, je fais des réactions allergiques. Alors, je mets comme d'habitude de côté les grandes pièces.
Mais sinon, comment s'est passé votre week-end, les pinots? Dites-moi tout. Est-ce que ça a été? Moi, de mon côté, je suis allée donc chez mes parents, tranquille. On a passé la journée devant la télé. Tout va bien. Et après, j'ai joué à un jeu de société avec ma mère jusqu'à mon départ. Et je pense que c'est là que j'ai attrapé la crève, parce que j'avais encore les cheveux mouillés. Alors, ah, c'est pour ça que je vois rien. J'ai pas allumé ma lumière. Purée. Il me faut deux pièces comme ça. C'est un peu le bordel, du coup, hein. Et il me faut une pièce. Ah. Mais là, actuellement, il y a la clim, mais ça va pas durer parce que j'ai chaud, j'ai froid, j'ai chaud, j'ai froid. J'ai chaud, j'ai froid, j'ai chaud, j'ai froid. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Un escalier! Donc il faut que je mette... Putain, je vais pincer. Comme ça. En fait, il faut que je mette mes marches. Elles vont être où ces marches là? Alors là. J'ai tellement peur que j'enfonce plus trop parce que j'ai peur de faire des conneries. Voilà, on a un escalier. On va encore faire des comment? Des colonnes. Et je prépare déjà les pièces d'après. Parce qu'à chaque fois, je gagne du temps en fait en faisant ça. Parce que comme je suis déjà le nez dans la boîte. Ça m'évite d'avoir à rechercher après. Alors. Donc là-dessus, on met ça. Ah, j'ai tellement peur de mettre un coup dans les fougères que du coup, je sais pas comment me mettre, je suis toute tordue. Convaincue de ce que je suis en train de faire. Je
En fait, je fais que de monter des murs, en fait. J'arrête pas de monter des murs. Là qui vont l'un sur l'autre. S'ils veulent bien. Alors, je sais pas si je vous l'ai dit, mais du coup, la pièce qui me manque, ils vont me l'envoyer. Il n'y a pas de souci. Donc, je pourrais avoir un truc bien propre, bien net. Va bien. Mais par contre, j'aimerais bien que vous vous mettiez l'une sur l'autre, en fait, vous deux. Merci. C'est normal qu'il y ait... Oui, c'est normal. Et la petite arche, là, on la met là. Qu'est-ce qu'il y en a comme arche? Alors, la suite... Cette musique, j'aime bien. C'est la première fois que je l'entends. Oui, il y a eu un petit changement brusque là, j'ai l'impression quand même. Aussi que je vous indique c'est quoi le programme, mais pour le moment je suis encore en train de travailler dessus le programme de cet été, parce qu'il va plus y avoir de live multi pendant un certain temps, jusqu'en septembre, à partir de je pense fin juillet, on verra. Normalement fin juillet les live multi on arrête, et donc tout le mois d'août jusqu'à la rentrée de septembre, on va faire un programme un petit peu particulier, enfin un planning un peu particulier. On va voir. Ça se trouve, ça sera même poussé jusqu'à mi-septembre, le temps que tout le monde rentre, que tout le monde se remette un peu dans le bain. Donc, pas la pièce que je cherche. En même temps, parce que je perds pas un peu trop d'énergie.
les pièces qui roulent, c'est un petit peu ma hantise. Ça roule de partout. C'est un peu chiant. En fait, on a des débuts de colonnes, hein, tout simplement. Bizarre cette musique là qui change toutes les 2 secondes là. J'espère que ça sera pas pareil parce que c'est la même chaîne de mémoire. Maçon ce soir. Pour le moment, voilà ce que ça donne. C'est un peu compliqué de montrer à la caméra là. Parce que c'est assez... C'est assez grand en fait, donc c'est un peu dur. T'en fais pas mal des pièces là. Je suis en train de me refaire certains des jeux papa de Flippin Studio, toujours aussi détente. C'est quoi comme jeu?
Des jeux de cuisine et de petits de temps. Ah, trop bien. J'aime bien ces jeux-là. Pardon. J'ai l'impression qu'on fait des escaliers sans cesse, quoi. On fait tout le temps des escaliers, c'est un peu. Enfin. Là, ce double life, c'est escalier, 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 quoi. Je sais pas si c'est dans ce sens-là ou pas qu'il faut les mettre. Je pense que oui. Et donc, ça va où? Ça va là. Ça, des escaliers dans son compte, c'est possible. Des arches et des escaliers. Les escaliers. Encore. Si je saute une page, ça va pas le faire. Là, normalement, pendant les vacances d'été, je sais pas encore, peut-être que je vais même mettre les vacances plus tôt, enfin l'arrêt du live multi, des live multi plus tôt, je ne sais pas encore. Faut que je me renseigne de qui est là fin juillet. Mais concrètement, on va commencer et finir, je pense, The Witcher 2. Déjà. Et puis après, faut que je vois. On a déjà Luigi's Mansion à finir. Mario Sunshine. Faut qu'on continue Zelda. Faut qu'on continue Tales of. On a pas mal de pain sur la planche. Donc je continue un peu Stardew aussi. Là, faut que je fasse une session Animal Crossing aussi, hein, en hors live. Ça va devenir important. Quand je te tiens, Jeff, pendant les vacances, en août, je sais pas si tu es là. Faut qu'on voit qui c'est qui serait intéressé et qui serait disponible pour. Ça dépend. Faudrait qu'on regarde qui c'est qui serait disponible et qui ça intéresserait de faire une session d'essai sur Talisman.
pour qu'après on puisse faire des sessions sur en live. Mais pas de pression. C'est juste que ça sera plus simple d'organiser ça pendant des vacances que en plein milieu de semaine. Yep, perso, je suis dispo sûrement début août parce qu'après il faudra que je pose mes jours. D'accord. Ok. On se redit ça. Pardon. Pas où je devais la poser celle-là et du coup bah comme j'étais en train de chercher sur le parce qu'il me manquait ces pièces là donc du coup j'étais là, je sais comment ça se fait, comment c'est possible. Voilà en gros ce que ça donne. Ajoute une colonne ici. Et on va enfin cacher la misère parce que franchement ça faisait très moche les petits picots sur le côté là comme ça, ça fait très très moche. Ça, on a un mur. Mais on a bien avancé, hein, parce que quand on regarde, là, c'est tout ce qu'on a fait, là, c'est ce qu'il nous reste. Ça avance. On est à la page 227 sur
On va dire 342. On va dire. Donc il nous reste une 120 pages à peu près. Alors, des marches. L'escalier est bien grand, hein. C'est là que je dois avoir peur, non? Non. Elle est là. Fin de l'escalier, non? Ça se met là. D'accord. Oui, donc c'est bien la fin de l'escalier. Bonsoir, Jolafrite. Comment ça va? Des Lego toute ma jeunesse. Moi, j'aimais bien aussi.
Donc là, on a fini notre escalier, là. Voilà. Essaye de faire attention parce qu'il y a des... Là, il y a mon petit chandelier qui veut se casser la figure. Donc là, tout là, on a notre escalier. Ça va, je reviens de Japan Expo. Ça a été? J'ai vu plein de publications sur la Japan Expo et ça m'a trop donné envie d'y retourner, mais... J'aime pas la foule. Ah, c'est la rampe! Ah, mais une rampe d'escalier, très bien. Mettons une rampe. Parfait. Oula. Très bien, mettons une rampe d'escalier. Oui, bon, tant mieux. Mais ouais, j'ai vu plein de publications sur Japan Expo. J'ai dit, j'aimerais trop y retourner un jour. Mais... Mais ouais, je suis pas assez à l'aise. Je suis pas assez à l'aise dans la foule et tout. Enfin, c'est compliqué. Mais là, ça va, les espaces pour qu'ils circulaient sont assez larges. Moi aussi, je le suis pas. Bah, moi, je sais que... C'était assez large. On y allait en règle générale le dimanche. Il y avait beaucoup de monde. Et heureusement que j'étais accompagnée parce que... Parce qu'en fait, je pète vite les plombs dans ces trucs-là, moi. Ne dites pas qu'il y a encore des colonnes et encore des escaliers et encore et encore et encore et toujours et encore et encore. Faut y aller accompagné, ça aide. Ouais, moi j'y allais toujours. Enfin, toutes les fois où j'y suis allée, j'étais soit avec ma meilleure amie, soit avec des amis. Et à chaque fois, j'étais costumée parce que comme ça, je me noyais dans la foule en fait. J'y suis allée vendredi et samedi, trop bien. T'as ramené plein de trucs? Moi, c'est un peu ça aussi le problème. C'est que si j'y vais, j'ai pas beaucoup de sous. Et si j'y vais, j'ai envie d'acheter quoi. Bien, le sachet 30, il se termine là. On arrive bientôt à la fin. Kyone manga, c'est bien suffisant. Ah oui, alors que moi, j'achetais pas forcément de manga, mais j'achetais surtout des goodies. Mais là, aujourd'hui, avec la maison que j'ai, des goodies, j'ai déjà bien assez de bordel comme ça. Vous vous rendez pas compte, mais ma maison, déjà, elle est en sacré bordel. Donc, du coup... ça sert à rien d'en rajouter d'autres. Avant j'étais dans un petit appartement. D'ailleurs je sais pas ce qu'ils sont devenus ces cadres là. Faudra que je regarde. Je sais pas où ils sont. J'avais des cadres avec des originaux et tout. Enfin bref. Mais là aujourd'hui j'ai plus la place de mettre tout ça. Enfin, pourtant je suis passée d'un appartement à une maison hein, mais... Mais j'ai plus la possibilité d'avoir autant de merde qu'avant, quoi. Et un petit goodies luminé en forme de cochon. Trop mignon. Bah écoute, le principal, c'est que tu te sois amusé, en fait. Moi non plus, j'ai pas la place et j'ai un rêve de... Bah moi, en fait, ce qu'il y avait, c'est que les trucs que j'achetais, c'était pour les mettre sous cadre et je les mettais au mur, mais... Mais là, moi j'ai déjà bien du mal à mettre des trucs sur mes murs, alors... Donc bon, on va éviter quoi. Bon, c'est où que ça se met ça? Comme ça. «
Oui, c'était cool. Bon, bah voilà. On est en train de faire une terrasse là ou c'est moi? Après, c'est devenu hyper cher, bah c'est un peu le problème quoi. J'essaye de voir un peu comment ils le mettent parce que j'ai un peu du mal à comprendre là. Comme ça? Ouais, ça me paraît bien. Avant, on payait pas les concerts en interne ou peu. Jamais payé, moi, les concerts en interne. Après, j'en ai pas fait beaucoup. D'accord, il y a des voix maintenant dans les musiques. Très bien. Ah, mais pourquoi j'ai pas accès à la fin du chat? Là, c'est payant. Punaise. Comme quoi, tout est bon pour se faire du fric, hein. Mais ça, c'est aussi peut-être parce que Parc Expo, il leur fait payer un peu plus et enfin, c'est toujours plus cher pour eux aussi. Donc, il y a peut-être de ça. Ils les font peut-être payer plus cher au niveau des stands. Et résultat des courses, bah, ils se retrouvent à devoir à être obligés pour être rentables de payer. Après, je me fais l'avocate du diable, hein. C'est peut-être pas ça, hein. C'est peut-être juste qu'ils se font du fric et puis c'est tout. Si on veut faire la totalité, ça doit coûter dans les 400 euros. La vache! Les stands, c'est Cheros, oui. Ben voilà. C'est pour ça, en fait, c'est que comme ils s'installent à un certain prix pour être rentables, des fois, ben, ils sont obligés de faire payer, quoi. Oh, on arrive à la fin du sachet 30! Ah non, tu perds pas de pièces, hein. Il y a déjà l'ego qui va t'en envoyer une pièce parce que t'en as perdu une, alors on va arrêter là. Et les artistes qui viennent doivent demander cher aussi. Ah, c'est possible. Après, c'est vrai que c'est compliqué, hein, tout ce qui est art, en fait, c'est tellement compliqué d'accéder, tout ce qui est culturel et tout ça, ça finit par être cher de toute façon aujourd'hui, hein. On est en train de faire une giga terrasse là. Et mon chandelier qui s'est pété la gueule, mais en même temps, on savait que ça allait arriver. Il faudrait que je mette un point de colle pour pas que ça bouge, ça, parce que c'est tout le temps en train de bouger.
Combien vous pariez qu'après on fait, on continue la terrasse sur ce côté-là? C'est quoi que tu fais en Lego? C'est fond combe. Je l'ai pas mis dans la description. Mais enfin dans la description, dans le titre. Parce que j'étais partie sur on allait faire peut-être autre chose. C'est fond combe du Seigneur des Anneaux. C'est pour qu'il arrive là, dans le décor. Quand il sera fini. Un jour peut-être. Gagné, Sarah. On a un tout mini problème là. Ah non, d'accord. Voilà. C'est dur hein, de montrer à la caméra, je m'excuse. On a fait donc ce petit escalier là. Et on a continué de monter des murs. Ensuite, sachet 31 et 32. Aïe. Alors, ça c'était 31. 31-1. 31-2. Dites-moi qu'il n'y a qu'un seul sachet de 32. 32-1. Mmh. 33-1. 33-3. 33-2. D'accord. Donc il y a un 32-1, mais pas de 32-2. C'est intéressant. Et Minas Tirith, ça existe. J'ai cru le voir sur AliExpress, Minas Tirith. Mais dans la boutique Lego, je ne l'ai pas vu. Que je l'ai vu que sur AliExpress Minas Tirith, et encore je trouve que les passes hyper bien représentatives, mais sur Lego il y a la tour de Sauron je crois et fond combe pour le Seigneur des Anneaux pour le moment. On n'a pas les sous pour faire la vraie. Bah c'est un peu le souci, c'est que l'ego ça coûte cher. Mais en tout cas, Minas Tirith, je l'ai vu sur AliExpress. J'étais d'ailleurs très étonnée parce qu'il me semblait bien qu'elle n'existait pas chez Lego. €3 milliards pour le film. Ah bah oui.
C'est ce que ça coûterait. Oui, donc on va faire ça en Lego. Hein. On va se contenter des Lego. Ça sera plus simple pour tout le monde. Alors, du coup, j'ai plein de pièces qui sont trop grandes là. Je vais les mettre de côté. Restons humbles, c'est ça. Restons humbles. Beaucoup, beaucoup de pièces là qui sont un peu grandes. Ça m'en fait du bordel sur mon bureau. Bon, ça ira pour cette fois, je pense. Il y a quand même pas mal de pièces, de grandes pièces. Là, je vais plus faire un peu de tri, mais... pas évident, hein. Construit totalement autre chose ou il faut que je garde la pièce avec moi là? Ah non, j'ai l'impression qu'on construit totalement autre chose. D'accord. Ça me fait peur. Il faut d'autres boîtes. Ouais, non. Bah, j'en ai pas beaucoup des boîtes, donc c'est pas grave. Mais je mets ça un petit peu sur mon... Là, ça va parce que on passe sur une autre construction. Donc, du coup, c'est un petit peu partout autour de moi, mais ça va. Ça va aller. Alors... C'est surtout pour y voir plus clair, parce que sinon... Donc ça, c'est la première étape. La deuxième, 2, 4, 6. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6. De toute façon, en plus de ça, même eux, ils mettent des pièces en dehors des sachets. Alors, à un moment donné, faut s'y retrouver, hein. Alors. Alors, si ça... J'espère que ça va au-dessus de ce qu'on était en train de faire. Parce que, concrètement, il est déjà balèze, le machin. Dès qu'il sera fini, en fait, je mettrai de la lumière au niveau de l'étagère où il sera. Comme ça, on pourra déjà en profiter. Parce que là, pour le moment, tout est dans le noir, mais faut que je termine de ranger un peu, quoi. Enfin, faut que j'arrive à faire du rangement. Faut vraiment que je range ma maison, en fait. Et dès que ça sera bien rangé, on pourra avoir un décor vachement sympa. On a Poudlard qui va arriver, le château de la belle de Cendrillon qui va arriver aussi. Ça va être chouette, hein, ça va être chouette. Mais faut me laisser le temps, en fait. Avec ma maladie, en fait, faut me laisser le temps de faire les choses à mon rythme. Et moi, il faut que j'apprenne aussi à y aller mollo. À ne pas désespérer de devoir prendre du temps
si ça prend du temps, faut que je me dise c'est pas grave, je vais finir par y arriver. S'il faut que je prenne du temps, je prendrai du temps. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est frustrant pour moi. Mais tout va bien, c'est pas grave. Il faut que j'apprenne à mettre les choses, à faire les choses en douceur pour moi et tranquille, quoi. Pareil, des fois, je procrastine sur le ménage, des fois, avec ma dépression. Bah, moi, c'est pas une dépression. Bien que ça a commencé ou ça ressemblait à une dépression, mais ça n'en était pas une. Et en fait, j'ai été traitée pendant un certain temps pour dépression. Le problème, c'est que j'ai été traitée à tort pour une dépression. Puis après, on s'est rendu compte que j'avais une autre pathologie. Et c'est une pathologie où il y a une fatigue chronique, en fait, qui est là. On sait que je peux pas faire les choses aussi vite qu'avant. Je peux pas faire les choses... Faut des fois que je prenne le temps de faire les choses. Tant pis si ça me prend 2 ans pour ranger ma maison. J'espère que ça me prendra pas 2 ans. Mais en tout cas, voilà. Faut que je prenne le temps. Faut que j'apprenne à prendre le temps. Et faut que j'apprenne à ne pas m'en vouloir si je dois prendre le temps. C'est un peu compliqué, mais on travaille dessus. Parce que psychologiquement, c'est pas facile. Ça va le faire, on va y arriver. On va y arriver. Oui, je comprends. Bah, toi, tu comprends, mais par exemple, tu vois, moi, j'ai une mère qui est maniaque. Donc moi, ça fait des lustres qui sont pas venus me voir dans ma maison. Et donc, du coup, ils sont pas venus me voir depuis longtemps, mais heureusement, parce que sinon, je sais très bien que je vais prendre des réflexions à tire-larigot. En me disant que c'est pas normal, alors que en fait c'est juste que j'ai pas la force en fait, tout simplement. Je t'encourage, c'est gentil, merci. Mais ça va, hein. Maintenant que j'ai le traitement adéquat, ça va venir petit à petit, quoi. Mais c'est vrai que des fois j'ai des gros moments de fatigue, et là aujourd'hui j'ai dormi toute la journée, c'est trop dur. Oh non, des pièces qui roulent. Oh non, des pièces qui roulent. Oh non, des pièces qui roulent. Mais c'est vrai que c'est pas évident, hein. Parce que quand on a une pathologie comme ça qui est, on va dire, invisible, c'est pas évident de faire comprendre aux gens. Que on fait ce qu'on peut, quoi. Mais je connais, hein, la dépression, je connais aussi, hein, j'y suis passée même très jeune. Ça a été très compliqué, mais c'est pour ça, je comprends parfaitement aussi, et courage à toi, quoi. Le rangement, il faut le faire par petits morceaux, on se fixe un objectif. Ouais. Bah oui, c'est important. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que là, quand même les objectifs, on se les pose et on n'arrive pas à les tenir parce que le corps tient plus, en fait. On fait ce qu'on peut. Ok. Je range ce petit bout. Ouais. Mais c'est comme ça qu'il faut faire, hein, de toute façon. Oui, voilà, on essaie. Tout à fait. Alors, je suis perdue. Je dois mettre ça là, mais ça atteint pas le bout, c'est normal. Sarah, lis doucement. On lit doucement, on ne panique pas, ça va bien se passer. Il y a des choses, des fois, c'est normal que ça rentre pas, c'est parce que tu vas trop vite. Ça ici et ça en dessous. Ok, pour le moment ça ne ressemble à rien. Des fois on fait des bases comme ça, puis après on se dit pour le moment ça ressemble à rien. Ça viendra. Je trouve que tu te débrouilles plutôt bien. Oui. En même temps c'est pas dur les Lego, puis en plus de ça moi j'adore ça, construire des trucs.
Je disais, on va bientôt, faut que je rachète de la colle. Il est où? Il est là. Bientôt, on va faire ça aussi. C'est avec un petit tiroir en dessous et puis ça fait une petite vitrine avec une petite miniature. J'adore bricoler des trucs. J'adore faire des trucs. Tout ce qui est manuel, j'adore. Et les Lego, c'est un peu une passion. Malheureusement, j'ai pas pu en faire pendant longtemps parce que, bah, pas les moyens. Hein. Mais maintenant que j'ai celui-là, je m'éclate. Et on a vachement bien avancé. Je crois que là, on est sur notre 4e séance. Et il nous reste pas grand-chose, en fait. Enfin, peut-être que 2 lives suffiront, hein, pour le finir. C'est joli, oui. Mais en fait, j'expliquais dans les précédents lives, c'est que moi, j'adore Lego. Et enfin, j'adore les Lego. Et en fait, c'est en voyant... c'est pas celui-là. En voyant... j'ai regardé des vidéos d'Amixem, en fait, qui faisait des Lego. J'étais jalouse parce que, parce qu'il a fait Poudlard, il a fait le château de Cendrillon de Disney World. Il a fait le Faucon Millenium, celui-là on le fera pas. Il a fait Titanic, pourquoi pas. Il a fait la Tour Eiffel, il a fait Foncombe. Et le jour où il a sorti Foncombe, en fait, j'étais là, je fais, mais il faut absolument que je le fasse. Il faut absolument qu'un jour je le fasse. Et du coup, ça y est, on le fait. Ça y est. C'est peut-être pas un comme ça qu'il faut finalement. Pourquoi j'ai sorti un comme ça? J'ai tout donné à un enfant autiste il y a longtemps. De quoi? Les Lego? Oui. Bah t'as dû faire son bonheur parce que en règle générale, ils adorent ça. Ça tient pas ma merde là. C'est bon. C'est un peu fragile, mais faut qu'on mette des pièces ici pour ça. Ça leur fait passer le temps, ça travaille leur motricité. C'est chouette. Les Lego, c'est bien pour les enfants autistes. J'ai des amis qui ont fait le Titanic en live, c'était épique, il est énorme. Ah, ça me fait un peu peur. Va falloir que je prenne des mesures parce que déjà je pensais pas que Foncombe il prendrait. Je sais pas s'il va. Je pense que Poudlard et Foncombe ça tiendra pas sur une seule étagère. Donc je vais être obligée très certainement d'en mettre un en bas. Va falloir que je prenne des mesures. 1m20 si je me souviens. Ah ouais, donc il tiendra jamais. On va éviter. On va éviter. Ouais, je prendrai des mesures. Au pire, je le mettrai ailleurs. Parce que c'est ce que je disais, le problème, c'est que là, on fait Foncombe. Je vais pas tarder à recevoir Lego, le Poudlard et le château de Cendrillon. Mais après, une fois que j'aurai fini ces deux-là, je vais être frustrée. Je sais que ça va me saouler de ne pas en faire. Donc très certainement que je vais en commander d'autres. Même si je l'ai fait hors live, parce que Foncombe, ça se trouve, je vais le recommander pour le mettre dans ma chambre. Celui-là, je le ferai hors live, puisqu'on l'aura déjà fait. Mais je sais que je vais être frustrée, parce que c'est un peu comme une drogue. Hein. C'est compliqué. Hein. Une fois qu'on en a fini un, on a envie d'en refaire un autre. J'ai pas vocation à ce que la chaîne elle devienne une chaîne Lego, hein. Mais c'est un peu, ouais, c'est un peu une drogue. Hein. Là, je sais qu'il va falloir que je fasse d'autres choses. J'ai plein de maquettes à faire aussi. Là, on fait Foncombe ce soir parce que c'est pareil. Aujourd'hui, je savais pas trop ce qu'on allait faire, mais j'ai plus de colle. L'idée, c'est que là, je pense que le week-end prochain, on fera pas Foncombe, on fera autre chose. Faut que j'arrive à alterner quand même les lives. Bon, là, c'est aussi parce que j'ai envie de continuer Foncombe. Hein.
Mais il faut que j'alterne en fait un petit peu les lives. Parce que j'ai tellement de choses à faire. Mais en fait, j'aimerais tellement avoir un décor qui, ça y est, c'est bon. On a un décor fini, mais bah, c'est pas demain la veille. Hein. C'est pas demain la veille. Mais on fera pas une chaîne Lego. Hein. Je sais plus combien de boîtes de maquettes à faire. Pas de maquettes, de miniatures à faire. J'ai plein de trucs à faire. On va faire d'autres choses. Et en plus de ça, faut que je reprenne mon travail sur la tablette aussi. Parce que sinon... sinon, ça c'est pareil, j'avance pas. Oui, je comprends, il y a les idées et les envies qui fusent dans tous les sens, tout le temps. Tout le temps. Après, moi, je joue beaucoup à l'envie. Donc, du coup, ça va. Enfin, des fois, j'ai des envies qui sont... Enfin, demain, je peux me réveiller en me disant oh, « j'ai envie de faire ça ». Bah, je fais ça. Mais du coup, bah, ouais. Si je peux avoir dimanche prochain une grosse envie de faire... soit du coloriage, soit des choses comme ça serait bien parce que ça permet de varier un peu les plaisirs. C'est dur de se canaliser. Pareil, c'est à l'envie. Ben voilà. Alors, je crois que là, on est en train de faire un endroit où peut-être de l'étage où ça va se clipser sur autre chose puisqu'on a des petits bitonniers qui se sont mis en place. Là, il y a un petit truc vert aussi. C'est quand qu'on consolide tout ça? Maintenant. Parfait. Là, c'était vraiment pas solide, mon histoire. Ça, il faut que je fasse ça en x2. Le bonheur. Ça doit coûter cher tout ça quand même. Ouais, mis bout à bout, ça coûte cher. Mais bon. C'est surtout pour ça qu'il faut que je me calme un peu. Mais là, j'ai beaucoup, beaucoup de choses à faire. Donc ça va. Je vais arrêter un petit peu de me balader dans les actions et tout ça. Et ça va aller. 120 euros le Titanic. 120 euros seulement, entre guillemets. Il semblait qu'il était plus cher que ça. Aussi. Bon, ils l'ont peut-être mis en solde. Bon. Oh, il y a une pièce qui s'est cachée en dessous, la coquine. Ça, c'est la première étape. La deuxième, ça sera ça, ça. Et un truc comme ça. Le prix a baissé, il semble. Ouais, je pense. Hein. Je pense parce qu'il me semble qu'il était plus cher que ça avant. Après, il vaut 700 euros chez Lego. Ah, bah voilà. Pour ça, il me semblait plus cher. Ah,
on retrouve nos fougères, trop bien. Des fougères. C'est peut-être de la contrefaçon chez les autres, c'est possible. Mais bon, quand on n'a pas les moyens, des fois, bah... Des fois, j'ai envie de dire, bon, bah, on se fait plaisir, et puis voilà. Je comprends rien, là. Pourquoi ils mettent une flèche ? Très bizarre. Après, si ça fait le job, j'ai envie de dire, c'est pas grave. Hein. Encore une pièce turquoise. On n'en peut plus ! C'est quoi ces pièces orange fluo et turquoise dans concombre ? J'ai rêvé qu'il fallait prendre cette pièce-là ou quoi? Peut-être bien. C'est le plancher de quoi qu'on fait là? Oh, je crois savoir ce qu'on fait. Ah, peut-être pas. Ça va aller, Sarah, ça va aller. La musique va bien avec. Oui, c'est... C'est comment que ça s'appelle? Musique médiévale relaxante. Ambiance taverne, un truc comme ça. Ambiance de taverne médiévale. Je suis un petit peu tombée amoureuse de ces playlists-là, un petit peu celtique, un peu The Witcher en fait. J'aime bien. J'en écoute parfois. Moi, j'aime beaucoup. Faut que je le mette jusqu'au bout ou pas? Non. C'est dommage, parce que je viens de l'enfoncer. Alors. Plein de petites pièces. Mais moi, je mets ça aussi pour m'endormir, des fois. J'aime bien. Des fois, j'ai besoin d'avoir de la musique comme ça. Comme ça. Peut-être. On verra.
Il y a plein d'éléments du cinéma qui sont sortis chez Lego. Oui, après, c'est vrai que, genre, par exemple, le Faucon Millenium, c'est pas un Lego que je me vois de le faire, en fait. Autant Faucon, je suis très fan du Seigneur des Anneaux, Harry Potter, pareil. Bon, Disney, c'est un clip d'enfant, en fait. Mais il y a certaines choses, j'aime bien les films, mais j'irai pas construire le Lego, en fait. La DeLorean, ouais, elle me branche bien. La DeLorean, elle me branche bien. J'avoue. J'avoue que la DeLorean, elle me branche bien. C'est un des premiers films que ma maman m'a fait découvrir, c'est un Retour vers le futur. C'est juste un banger, quoi. Même si ça a un petit peu mal vieilli, entre guillemets, et encore, je trouve pas trop. Star Wars et le Retour vers le futur, en fait, c'est les premiers films que j'ai vus. J'ai pas eu une enfance malheureuse au niveau cinématographique. J'avais vu une expo Star Wars Lego au Comic-Con France. Ah, ça devait être chouette. Bah moi, en fait, ça me dérangerait pas de construire le Faucon Millenium parce qu'en plus de ça, il est hyper compliqué à construire. Mais moi, si je construis ce genre de Lego, c'est pour mettre dans le décor derrière après ou mettre chez moi. Et le Faucon Millenium, ça dénoterait vachement. J'avais fait pas mal de photos, tu m'étonnes. Moi, c'était à la Japan Expo une fois. C'était la Batmobile qu'on avait vue. Faite tout en Lego et grandeur nature. Il me semble que c'était la Batmobile. Sandy, elle pourrait confirmer. Mais elle était énorme, c'était incroyable, quoi. Oui, j'avais vu ça. C'est des années, hein. Je me souviens même plus. C'était il y a longtemps. J'étais au lycée. Quand j'avais été à la Japan Expo, je crois. Ou à la fac, peut-être. C'était peut-être mes premières années de fac. Je sais plus. Mamie, elle a des problèmes de mémoire. J'y étais. Ah oui? Après, je sais pas s'ils l'ont mis sur plusieurs années de suite, hein, mais c'était il y a un moment. Oh, je sais même plus. En fait, je pourrais retrouver les photos sur mon Facebook de l'époque. Mais comme j'ai plus accès à Facebook. Alors, on va déjà commencer par faire les petites. J'ai commencé au début des années 90 les Japan Expo. Ah oui! Ah oui, donc t'es plus âgé que moi du coup. Parce que 90, non, moi j'ai commencé peut-être. Je sais pas, j'ai commencé, c'est sûr, j'ai commencé au lycée. Peut-être après le lycée. Donc, on a quel âge au lycée déjà? On va dire 18. La première fois que je suis allée à la Japan Expo, j'avais pas le permis. Et on y est allé en train. Ouais, en train. Et on avait pris le RER. De mémoire. Donc je devais avoir peut-être 16 ans. Donc 16 ans, ça me mène à 2007. Ouais, peut-être dans ces eaux-là. Donc moi, de toute façon, j'ai commencé dans les années 2000, hein, c'est sûr et certain. Pas enfin, plus tard que les années 2000. J'ai 51 ans. Il a changé aussi d'endroit souvent. Ah oui, d'accord. Enfin, moi, je l'ai toujours connu à Paris, Parc des Expos là. Mais ouais, j'ai dû commencer ouais, début des années 2000.
Et j'en ai fait 3 ou 4, je crois, des Japan Expo. Mais après, c'est fatigant pour moi parce que il y a trop de monde. Enfin, ça bouge beaucoup trop et... Faut que je mette les deux feuilles de palmier l'une sur l'autre. Et ça au-dessus. Avant, il était au CNIT, à la Défense, c'était un enfer. Ah bon? C'était déjà un enfer? C'était plus un enfer que maintenant? Non mais moi, je suis pas une bonne... Je suis pas bonne juge pour ça, parce que vraiment, moi, quand il y a un peu trop de monde, je suis vite dépassée et je pète vite les plombs, donc... Donc je suis pas... Voilà, je suis pas... Ah, c'est dans l'autre sens, la feuille, du coup. Moi, à Paris, Parc des Expos, on avait fait le salon du cheval aussi à une époque. Mon Dieu, j'ai failli tomber dans les pommes ce jour-là. Et ma mère avec. Donc, comme ça, tout le monde, boum, a plus. Il n'y a plus personne. Dommage. Que ma mère et moi, la foule, c'est un peu l'horreur. Donc, bah ouais, on a eu failli tomber dans les pommes toutes les deux. On était très contentes. Puis surtout, le monde du cheval, c'est pas son truc. On savait pas à l'époque qu'il y avait beaucoup de spectacles, beaucoup de trucs. Donc du coup, bah, on est passé un peu à côté de ce qui est sympa dans le salon du cheval, quoi. Et moi, aujourd'hui, c'est encore pire au niveau de la foule. Alors du coup, le salon du cheval, c'est fini. Terminé, je ferai plus. C'était assez petit. Oui, je comprends. Il vaut mieux faire des expos plus petites. Le meilleur, c'était l'Epita. D'accord. Il y a une expo cheval à Versailles en ce moment, c'est vrai. Bah, moi, en fait, ce que j'aimerais bien, je suis en Normandie. Et il y a un haras dans le coin qui fait des spectacles, qui fait des concours équestres ouverts au public. Alors l'entrée est payante, mais c'est ouvert au public. Et j'aimerais bien un jour avoir le courage d'aller à ce genre de truc en tant que spectatrice. Hein. Mais c'est vrai que quand je suis toute seule dans un endroit, je suis vite perdue, je suis vite dépassée. Et du coup, bah, je le vis pas forcément bien, mais j'aimerais bien prendre mon courage à deux mains puis aller à ce genre de truc. Ça là. Je vois de moins en moins clair. C'est parce que ça fait presque 2 heures, Sarah, que t'es là-dessus. Je sais pas où on va, mais on y va. Je t'accompagnerai si t'as besoin. Non, mais je trouverai. Je connais assez bien Paris et ses environs. J'ai une amie qui organise beaucoup de sorties dans le secteur. Non, mais j'ai du monde maintenant qui se... En fait, j'ai été longtemps un peu trop seule. Et maintenant, j'ai pas mal de monde. J'ai refait un petit réseau d'amis et tout ça. Et je trouverai bien, t'inquiète pas. C'est bien, alors oui. J'ai été très longtemps en grosse déprime, en fait, et du coup, ça a été un peu compliqué. Mais là, ça y est, j'ai... Depuis la chaîne, en fait, j'ai sorti un petit peu la tête hors de l'eau. C'était un peu plus facile pour moi. J'ai retrouvé certaines personnes, et du coup, bah, voilà, ça va. Tant mieux, ouais. Bah, c'est vrai que c'est compliqué à vivre, hein, d'être seule et de ne pas pouvoir faire des choses, parce que, bah, du coup, on se bloque tout de suite, mais bon, bah, une fois qu'on a passé ce cap, une fois que bah, c'est vachement plus... On vit vachement plus sereinement, en fait.
Je dis pas que la vie est plus facile, hein, mais ça va. Non, pas des pièces qui roulent. Je sais pas si c'est ça ou si c'est les plus petits. Non, je pense que c'est ça. Un petit cube. Je suis en train de sortir toutes les pièces pour la suite. Je pense que je termine ce sachet-là, puis après je vais faire une pause quand même. On aura fait sachet 30, 31, 32, c'est bien. C'est mon cas, c'est pour ça que je fais un peu de théâtre. Bah en fait c'est prévu que j'en fasse, mais enfin là c'est prévu que je reprenne l'équitation déjà, ça c'est sûr. Je fais du violon et je voulais reprendre le théâtre, mais je pense que entre les lives, le théâtre, le violon, le l'équitation, je pense que je vais avoir un moment où mon emploi du temps il va être beaucoup trop surchargé. Donc ça va être un peu compliqué. Ça ici. Ça va mon Sophie? Tu t'en sors? Sophie, on a rien à foutre. Sophie, il passe, je lui dis ça va. Cause toujours. Ah, elle est vraie. Donc ça va là. Si je n'ai pas les repères, ça va pas le faire. Ça ici. Complexe, hein. Il est dur quand même un peu, hein, Lego. Il faut avoir les... faut être concentré. Je me suis déjà ratée. Hein. Je pense que ça arrive à tout le monde. Mais j'ai tellement peur de me planter du coup que je prends... enfin que je réfléchis beaucoup quand même. Il y a des fois, je sais pas pourquoi je mets certaines pièces. Je comprendrai plus tard. Fragile mon histoire là. D'accord. Oui, ça m'arrive aussi, mais moi c'était des moteurs de voiture et là aïe aïe aïe. Ah, ah oui. C'est un peu plus complexe. C'est un peu... oups, je me suis trompée. Dommage. Bon bah tant pis. Obligé de tout démonter, bah oui. Évidemment.
Alors ça, j'en ai besoin, mais c'est pas ça que je cherchais à la base. Oui, tant pis, on recommence. Ouais, c'est ça. Bah, sauf que ça, moi, ça m'a valu une pièce. Il y a une pièce qui a sauté je sais pas où dans l'atelier. Et du coup, bah, j'étais obligée de faire une demande. Est-ce que vous pouvez me renvoyer la pièce, s'il vous plaît? Parce que j'ai perdu la pièce. Dommage. Une erreur malencontreuse. On arrive en bout. Il y a toujours du rap dans la boîte avec Lego. Bah celle-ci, je n'ai pas trouvé. C'est le... En fait, c'est le... C'est le carrelage qu'il y a là. Et en fait, il n'y avait pas de rap. Donc je leur ai dit, oh, est-ce que ça... Il manque une pièce, du coup. Des fois, il n'y a pas de rab, il y a juste ce qu'il faut. Ça dépend les pièces, quoi. Parce que des fois, effectivement, j'ai des pièces en rab et du coup, je les ai mis dans ma petite boîte à... Dans ma petite boîte. J'ai mis les personnages dedans parce que je ne vais pas les mettre à la fin. Et il y a des petites pièces comme ça que j'avais en rab, donc je les ai mis là-dedans en attendant. Puis là, c'était un sachet qui se baladait tout seul. Il y a les perruques des personnages. mais ouais, le carrelage, on n'a malheureusement pas trouvé de pièces en plus, quoi. Alors, il y a de la petite construction à faire avant, du coup. Faut prendre ça. Ouais. J'ai peur de ne pas comprendre. Après, ils sont chouettes parce que ils vont m'envoyer la pièce gratuitement. Ils sont quand même très chouettes pour ça. J'ai juste rempli un formulaire, ils m'ont dit « Pas de soucis, on vous l'envoie !» J'ai dit « Bon, bah très bien. » Pourquoi j'arrive pas à la mettre? Oh bah ça alors, la première je l'ai mise sans souci. Ah, voilà. Bon, je vais allumer mon cochon, il va éclairer le salon, on change de couleur. Petit cochon. C'est un petit cochon qui éclaire. Ça doit être trop mignon, n'empêche. Après, moi, c'est des pins que j'ai partout. Faut que... En fait, là, j'ai vraiment... c'est vraiment le bazar. Mais j'ai des petites veilleuses en forme de lapin. Et donc, faut que quand mon... Quand le décor va être bien comme il faut, on remettra les lumières comme avant. On remettra non seulement les lumières comme avant, mais j'en mettrai d'autres, enfin... Donc c'est pas ça qu'il me faut, pas si longtemps. Chat.
Là, par exemple, je me suis gourée. Ça y est, j'arrive. On va finir par y arriver. Par contre, toi, il faut que tu tournes un tout petit chouïa. J'ai pas tout compris là. D'accord, alors non. Normande moi-même, si ça fait longtemps. Quoi? Je suis normande moi-même, même si ça fait longtemps que j'y suis pas retournée. Ah oui? Trop drôle. Alors par contre, là, moi je suis complètement paumée parce que j'ai sorti des pièces qu'il fallait pas utiliser là. Je me perds toute seule en fait. C'est un peu dommage. Pas dingue ce chat. Ouais, j'espère que j'ai pas fait de bêtises. Ah! C'est là que je perds. C'est là que je. Que je perds conscience là ou connaissance ou pas là. Donc ça. Mon père était né à Villedieu-les-Poêles. D'accord, je connais pas. Je crois que c'est là que je perds connaissance. Attendez, quoi? Il est encore plus grand? Ok. Bon, bah voilà. C'est dans la Manche. Ah, c'est pour ça. Je connais pas ces coins-là.
Je connais un peu la Seine-Maritime et encore, mais... bon, je vais avoir... je vais hyperventiler encore. Très bien. Fais une pause. Oui, je finis. De toute façon, oui, je finis ce... Il faut boire, oui. Mais je finis juste ce... Je finis juste ce sachet-là. J'en ai plus pour très longtemps. Hein. Et après, je fais une pause. C'est surtout qu'en fait, plus je le vois qu'il est grand, plus je me dis, punaise, comment il va tenir. Comment il va tenir sur mes étagères. Comment ça va être possible, mon histoire. Mais là, il reste une page et après, je vais pouvoir faire une pause. Tout va bien. Encore du rouge pétant. J'en peux plus de ces couleurs. Ces couleurs 3000 fois trop vives pour l'univers. J'ai trop hâte de jouer à The Witcher 2. Donc là, il reste tout ce qui reste là. J'ai des photos de Foncombe en Lego. Ah oui? T'es grand? Ah bah oui. C'est un peu ça le problème, c'est que je l'imaginais pas aussi grand. Mais j'ai pas le compas dans l'œil, hein, donc c'est compliqué. Dans la longueur, bah ça va. Dans la longueur, ça va le faire, mais... Enfin, j'espère. Au pire. Qu'est-ce qui peut arriver? Et donc ça, je le mets où? Ok. 500 euros. Ah bon? Oui. Il est cher. Hop. Alors. Phew, bah oui. Donc, on en est là. Voilà, on a un peu avancé.
Je fais une pause, parce que je vais pas forcément pouvoir tenir plus longtemps. 2h03, ça va. Si je fais deux petites sessions de 2h, ça devrait être pas mal pour moi, parce qu'il faut que je me repose aussi un petit peu. Je vous retrouve dans quelques instants. 6200 pièces, oui, c'est ça. Je vous retrouve dans quelques instants. À tout de suite.